Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, nous sommes la première semaine de février. Donc si je ne dis pas de bêtises, nous serons le premier, donc ce sera du 1er février au 7 février. Donc je vais réaliser une guidance pour vous interpréter quelles sont les énergies de la semaine prochaine. Donc encore une fois, comme toujours pour toutes les guidances, l'objectif c'est de prendre pour vous ce qui va résonner par rapport à votre vie. Ce sont aussi les tendances énergétiques par rapport à ce qui se peut passer, ce qui peut se passer aussi au niveau mondial. Donc voilà, les tendances énergétiques pour la semaine prochaine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. Donc je ne fais pas que des guidances, j'accompagne aussi des femmes à retrouver, à retrouver du sens dans leur vie, à se libérer de traumatismes du passé, à se libérer de troubles du comportement alimentaire, à retrouver une image corporelle qui soit plus positive, finalement à reprendre les rênes de leur vie parce qu'elles ont jugé à un moment donné que bah, tout ce qui se passait dans leur vie, en tout cas leur comportement, ne leur permettait plus d'être heureuses. Et donc moi, je les accompagne à aller libérer en profondeur toutes les causes de tous ces troubles-là. Voilà. Et donc mon objectif plus large, c'est vraiment de vous aider à retrouver du sens. Et donc pour ça, j'ai plusieurs outils, dont les guidances de cartes. Voilà. Et puis j'aime bien tirer les cartes, tout simplement. Alors du coup, on va voir tout de suite. Alors, s'il vous plaît, une guide pour la semaine prochaine, quelles sont les énergies? Alors, c'est parti loin. Alors, hop, je vais la mettre ici, celle-ci. Donc, on commence par un 5 de pentacle. Le 5 de pentacle. Ça montre des problèmes de santé, problèmes financiers, en tout cas il y a des choses qui sont un peu difficiles. Alors on a ensuite une reine de pentacle et un roi de pentacle. Alors on est dans la famille des pentacles pour la semaine prochaine. Donc c'est lié aux finances, au travail, à l'ancrage, au matériel, à l'élémentaire bien évidemment. Donc le 5 de pentacle, comme je vous disais, c'est tout ce qui va être problème de santé, peur de perdre de l'argent, ça peut être des difficultés de sommeil, donc en lien avec l'argent, avec le travail, une forme de rejet. Ensuite, on a donc la reine de pentacle qui, elle, est une... Donc pour le coup, il y a la reine de pentacle et le roi de pentacle. Là, donc ça peut faire penser à un couple aussi, donc ça peut être dans les foyers. Mais en tout cas, ça peut aussi être pour une seule personne, sa polarité féminine et sa polarité masculine. Et donc la reine et le roi de pentacle, eh bien, ce sont des personnalités, des polarités qui sont concentrées sur leur travail, qui sont dans l'ancrage, dans la complétude, qui ont une certaine forme de stabilité, de réussite professionnelle. Donc du coup, on va venir préciser les cartes pour voir en quoi justement ce 5 de pentacle qui montre qu'il peut y avoir des difficultés, des problèmes, et en même temps ce roi et cette reine de pentacle qui montrent cette stabilité là justement au niveau de l'ancrage. Donc on va voir avec d'autres cartes. Alors ce 5 de pentacle, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine prochaine? Alors bah justement, voilà, 5 de pentacle, on nous dit qu'il y a une ouverture. Donc on va peut-être vers justement, malgré encore peut-être pour certains et certaines des problèmes de santé, de sommeil, d'argent, de travail, etc. En tout cas, on va vers une ouverture, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle chance. Il y a une clé, peut-être que vous allez trouver la clé justement, une ouverture. Alors sur reine de pentacle, on a la clairvoyance. Donc la reine de pentacle, elle a du coup aussi de l'intuition, elle est aussi connectée à son intuition. Et enfin, le roi de pentacle, on a la carte du voyage. Alors, on va préciser avec celui-ci. Alors, sur 5 de pentacle, ok. Alors, on a le 10 de bâton. Sur 1 de pentacle et clairvoyance. Sur du nouveau départ, il y a du bâton aussi encore, donc on est sur l'ancrage de la terre, mais on est aussi sur des énergies d'action et de feu. On nous invite à prendre un nouveau départ aussi. Alors, roi de pentacle, voyage. Roi de pentacle, le voyage. Ok. Alors, le pape. Donc,
Ça tombe bien, le roi de Pentacle, c'est aussi un pape, du coup, qui est donc connecté à ses intuitions, qui a de la sagesse, qui a beaucoup de sagesse, qui est là aussi pour apprendre et pour transmettre. Alors, je vais faire le Dixit. Alors, sur 5 de Pentacle, l'ouverture et le 10 de bâton. Ok. Sur... Oh, d'accord. Et roi de Pentacle, voyage et le pape. Oula, oula. Alors là, il y a 5 cartes. Alors, je vais toutes les prendre. Ça fait un peu trop, les gars. On va essayer de rester avec une ou deux cartes. Roi de Pentacle, voyage et le pape, s'il vous plaît. Bon, il veut quand même en faire sortir plein, hein, mais bon. Pentacle, voyage et pape. Bon, c'est ce qui devait sortir. Ok. Alors, qu'est-ce que notre âme a à nous dire pour la semaine prochaine? Pour nos énergies. Alors, oser et communiquer pour la semaine prochaine. Et je voulais juste voir aussi au niveau énergétique. Je sais pas sur les personnes qui regardent cette vidéo. Oh. Ah, alors, il va falloir communiquer sur sa colère. Il peut y avoir de la colère dans l'air. Et on nous parle de lignée karmique, donc de vie antérieure. On vous invite peut-être aussi à libérer. Ok, souffrance émotionnelle. Alors, peut-être que, effectivement, pour la semaine prochaine, il va y avoir des énergies. Alors, au niveau énergétique, alors, soit c'est que ça va arriver, soit tout simplement que vous allez libérer une certaine souffrance émotionnelle. En plus, on nous parle du printemps, donc on y arrive tout doucement. Donc, une certaine souffrance émotionnelle en lien avec de la colère et aussi peut-être en lien tout simplement avec du karmique. C'est-à-dire que peut-être ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, au niveau de la colère, en tout cas là c'est en train d'être libéré. Alors avec les énergies du moment, il y a beaucoup de karma qui est épuré naturellement, mais vous pouvez aussi vous aider en faisant tout simplement des libérations karmiques ou des régressions karmiques pour aller justement essayer de trouver d'où provient cette colère peut-être qui est peut-être tellement forte que vous vous demandez « mais c'est pas possible d'avoir autant de colère en moi en lien avec ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre là, j'ai l'impression qu'il y a autre chose bah, », c'est peut-être en lien avec des vies antérieures, avec du karma. En tout cas, c'est ce qui se passe au niveau énergétique. Peut-être que de façon naturelle, là, les énergies aussi de la semaine prochaine seront là pour nous épurer d'une souffrance émotionnelle, d'une colère en lien avec des vies antérieures. Alors, si on reprend du coup mes petites colonnes. Donc, je vous ai dit, on était sur le 5 de Pentacle, donc avec ses soucis de santé. De sommeil, d'argent, peur de perdre de l'argent, voilà, il peut y avoir des énergies un petit peu comme ça, et pourtant on nous dit quand même qu'on est sur l'ouverture, il y a une porte qui s'ouvre, il y a du soleil, alors derrière la porte où il y a marqué destinée dessus, je vous montre peut-être un peu plus forte la carte, comme si vous alliez trouver la clé peut-être cette semaine, justement, pour sortir, pour moi, c'est pour sortir de cette situation où on a peur de perdre de l'argent, on a peur pour son travail, on a du mal à dormir. On va sortir de cette situation et on va aller, on voit ici une petite maison derrière, ça nous parle aussi d'un foyer, hein, donc retrouver peut-être du soleil dans son foyer. Alors, le 10 de bâton... Le 10 de bâton, on est sur justement une situation pesante. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. On est encore une fois dans le travail, dans la responsabilité. Donc, c'est pas gagné, hein, c'est pas... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire et beaucoup de travail à faire pour trouver cette clé, pour pouvoir ouvrir et être dans l'ouverture, pour pouvoir sortir de cette situation qui peut être en lien, je vous le rappelle, avec ce que j'ai sorti sur l'énergétique par rapport à cette colère, etc. Donc, il y a quand même du travail, c'est lourd, ça pèse beaucoup, il y a des choses à faire. Mais c'est possible, en tout cas, de sortir cette situation. On nous dit que c'est possible qu'il y ait une ouverture. Et pour moi, là, ça passe aussi par cette communication.
Alors, je lis en même temps. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Donc, c'est en lien avec la colère pour moi. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, voilà. Là, à mon avis, justement, la clé de cette ouverture, alors, il y aura du boulot, ça c'est sûr, mais on nous parle quand même de communication. Et la carte de Dixit, c'est ici. Donc, on a cette maison ici, on a ce couple ici qui danse, hein. Il y a cette valse, il y a de l'amour. Donc, pour moi, on peut aller vers une ouverture, on peut aller vers quelque chose de plus beau, une valse, une danse sous la pluie comme on aime bien dire en ce moment. Ça veut pas dire que ça va être facile, hein. On n'a jamais dit que tout était facile, mais c'est possible de voir de la beauté en tout, en fait, hein. Il suffit de regarder dans le miroir et de voir de la beauté en tout et d'arriver à danser, à valser pour les personnes qui sont en couple, d'être avec son conjoint, mais tout simplement avec soi-même. C'est possible pour moi d'aller dans l'ouverture et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, mais ça demande du travail. Ensuite, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a cette reine de pentacle et donc ce roi de pentacle, ce couple du coup qui va être ancré, ce couple qui va qui travaille, ce couple qui est dans la complétude, qui a bien les pieds sur terre, qui est stable, qui peut même aller vers une réussite professionnelle. Alors qu'est-ce qu'on dit du coup pour la femme, pour donc soit les femmes qui nous regardent, soit des personnes où votre polarité féminine, on vous invite au-delà d'être dans cette complétude, dans cet ancrage, d'être concentré sur le travail, on vous invite pour moi aussi à vous connecter également à de la clairvoyance, à vos intuitions, à ce que vous ressentez, à être connecté en plus sur cette intuition. Ici, on a un 5 de bâton et un mat, dont je vous disais tout à l'heure, on est sur du renouveau. Le mat, c'est le fou, celui qui démarre une nouvelle aventure. Donc, il y a de nouvelles choses. Peut-être que justement, les personnes qui étaient très ancrées, qui étaient très dans le travail, qui avaient peut-être une situation stable, peut-être qu'il y a des énergies aussi qui vont arriver et qui vont leur apporter plus de clairvoyance, plus d'intuition, et que c'est un nouveau départ pour elles, et qu'on les invite vraiment à aller là-dedans. Alors, le 5 de bâton, c'est rester calme. C'est même s'il y a des conflits, vous savez déjà, en général, la réponse, et pour moi, c'est en lien avec cette clairvoyance, c'est-à-dire connectez-vous à votre clairvoyance parce que vous savez, vous connaissez déjà la réponse, même s'il y a des conflits, hein, pour moi, c'est en lien avec cette colère. Il va peut-être y avoir des choses en lien avec de la colère là, qui va ressortir. Vous savez déjà les réponses. Connectez-vous à votre clairvoyance, à votre intuition. Mais restez calme. Le 5 de bâton, c'est malgré tout. Il y a cette notion de réflexion, hein, de réfléchir à la question. On reste calme, on reste sage. Voilà, on est malgré tout ancré, encore une fois, et il y a cette notion, comme je vous disais, de nouveau départ. En tout cas, si on veut aller sur un nouveau départ, sur quelque chose de neuf, de nouveau, c'est important de pouvoir rester dans la communication par rapport à cette colère et de rester calme par rapport à certains conflits ou certaines disputes qui pourraient arriver la semaine prochaine. Et j'avais oublié la petite carte du Dixit, donc on a ici cette femme, alors il y a de la fumée qui sort de sa bouche, et alors il peut... Pour moi, il y a plusieurs significations. Déjà, vous avez ici les boucles d'oreilles, le soleil et la lune. Pour moi, il y a aussi un rééquilibre, hein, de l'énergie solaire et de l'énergie lunaire. Donc ça, c'est au niveau énergétique. Mais peut-être que cette femme, elle peut être un peu dans le brouillard. Alors, il y a un côté un peu mystique et qui me fait un peu penser à cette carte-là, avec cette boule de cristal, avec la fumée dans la boule de cristal. Donc, la boule de cristal, c'est tout simplement votre tête, c'est votre propre intuition, encore une fois. Donc, peut-être qu'on remet encore plus l'accent sur le fait, voilà, si vous êtes une femme, connectez-vous à votre intuition, vous savez déjà des choses. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez l'impression d'être dans le brouillard. Hein. Il y a une nappe de brouillard autour de vous, vous savez pas très très bien où est-ce que vous devez aller, c'est un peu le flou. Dans tous les cas, on vous invite, encore une fois, je vous le redis, à rester calme, même s'il y a des conflits, vous connaissez déjà la réponse en vous, donc ça sert à rien de s'agiter et d'avoir peur, tout va bien se passer. Et ensuite, donc, sur le roi de Pentacle, on a la carte du voyage, donc on nous invite, hein, au grand voyage. Alors là, ce qui me vient, c'est parce que ce petit bonhomme qui est donc dans la montgolfière ici, avec sa jumelle, oui, c'est une jumelle, non, une longue vue. Avec sa longue vue, il regarde sur la gauche. Et donc, sur la gauche, c'est la colonne de la reine de Pentacle. Donc, peut-être qu'il peut y avoir aussi des réunions. Peut-être que pour des personnes qui sont séparées ou des personnes qui sont célibataires, bah, peut-être que votre penchant, votre polarité masculine, votre autre, bah, peut-être qu'il vous recherche. Peut-être qu'il, pas qu'il vous espionne, mais en tout cas, il vous recherche et il veut entamer un voyage vers l'autre. Alors là, ce qui me vient vraiment, c'est qu'on a le mat qui symbolise vraiment ce nouveau départ et un nouveau voyage. Et donc, il va vers la droite, il va aussi vers le roi de Pentacle. Et donc, ce petit bonhomme dans sa montgolfière qui va faire un voyage et qui regarde vers la gauche et qui regarde vers sa reine de Pentacle. Donc pour moi, il y a aussi, même s'il y a des conflits, des colères, etc., il y a des réunifications, il y a des gens qui se retrouvent, en tout cas il y a des énergies de nouveau départ, de voyage en lien pour retrouver deux polarités qui se complètent, qui sont dans la complétude. Pour moi, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle, ils vont être dans la complétude tous les deux, donc il y a ces énergies là
Ensuite, on avait cette carte aussi du Dixit, donc pour moi de l'élévation, et aussi, j'en avais parlé la semaine dernière, de cet enfant-là qui veut jouer avec les petits oiseaux, donc de peut-être aussi que ce roi de Pentacle-là, qui est très ancré, qui a bien les pieds sur terre, qui est stable, etc., peut-être qu'on l'invite à faire un voyage vers son enfant intérieur, à s'élever et à retrouver un peu une insouciance aussi. Donc autant la femme, on peut l'inviter à cette reine de Pentacle à aller plus au niveau de ses intuitions, de la clairvoyance, et l'homme à retrouver aussi peut-être... alors ce qui me vient hein, mais son enfant intérieur, mais sa sagesse intérieure avec le pape, hein, retrouver l'insouciance de l'enfance, et les enfants ont aussi beaucoup de sagesse en eux parce qu'ils se prennent franchement moins la tête, donc peut-être qu'on l'invite, ce roi de Pentacle, à aller plus vers le pape, qui est aussi dans les intuitions mais qui est aussi dans la transmission, transmettre le savoir notamment aux enfants aussi. Donc ça peut être aussi de façon aussi plus spirituelle de se reconnaître à son propre enfant intérieur. Voilà ce que je voulais vous dire donc, pour la semaine prochaine. Donc, on a parlé communication. Je ne vous ai pas parlé de cette carte ici qui est de oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, on est sur ces énergies de nouveau départ. Donc, il peut y avoir des réunifications. Il peut y avoir des énergies de nouveau départ. Il y a des choses, peut-être, vous posez la question. C'est un peu le brouillard. Et pourtant, vous savez déjà et on vous invite vraiment à être dans ces énergies, à rester calme, même s'il y a des conflits, même s'il y a de la colère. Il peut y avoir aussi des liens karmique, hein, des relations karmiques qui fait qu'il y a beaucoup de souffrance émotionnelle et de colère, mais on vous dit que vous savez déjà, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez la polarité masculine ou féminine, dans tous les cas, on vous invite. Pour moi, c'est deux cartes qui sont similaires, enfin deux colonnes par exemple qui sont similaires, un nouveau départ ici, un voyage ici, l'intuition clairvoyance, le pape ici. Donc pour moi, il y a des énergies qui sont similaires chez la polarité féminine et masculine, et on vous invite à la même chose, hein, à être dans ce nouveau départ, dans la connexion à l'intuition, retrouver son enfant intérieur, que malgré les soucis d'argent ou peut-être des peurs, hein, même si c'est pas forcément des soucis concrets, mais des peurs, on vous dit que il y a de l'ouverture, que oui, c'est pesant pour vous, c'est très pesant la situation. Mais on vous dit que vous allez pouvoir travailler dessus, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a des responsabilités, mais c'est possible de danser. C'est possible de danser et c'est possible d'être aussi dans l'ouverture la semaine prochaine si on ose. Pour moi, cette carte, elle est aussi là-dedans. Si on ose faire les choses, si on ose être dans ce nouveau départ aussi. Donc, ça va demander beaucoup de courage pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine guidance, tout simplement. Très belle journée à vous, à bientôt.